Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, on se fait une petite balade du soir là après le boulot. Et je pense qu'on va aller faire un petit tour à Amboise. Ah, on va doubler ça rapidement. Il a beau rouler à l'éthanol, il chlingue. Ah, mais mon masque est plus gros. Il est pas là, il a pas la norme Euro 5, lui, je pense pas. Voilà. Cette baraque. Je prends direction Amboise. On est pas loin, hein, 15 bornes. Histoire de se dégourdir un peu les ailes. La vallée de la Loire est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et on voit pourquoi, c'est magnifique. Souriez pour la photo. Un petit peu de temps avant d'arriver à Amboise, du coup je vais en profiter pour vous parler d'une page Facebook que j'ai découverte, qui est toute récente. Le gars qui s'occupe de ça, il est vraiment sympa. Et voilà, je voulais vous mettre en avant un petit peu sa page pour lui donner un petit coup de pouce avec mes abonnés, et d'autant que la page est vraiment intéressante. Ça reprend l'esprit Harley à fond, et puis il n'y a pas de prise de tête. La petite communauté est plutôt sympa, les gens discutent entre eux, postent pas mal de photos assez sympas. Il y a des photos de moto et il y a des photos de motardes aussi qui n'ont pas froid. Mais ça reste bon enfant évidemment quoi. Et donc la page s'appelle Nothing Else Biker. Je vous mets le lien juste ici. J'ai été un des premiers à m'abonner sur cette page. Il y a peut-être déjà certains de vous, certainement d'ailleurs, qui la connaissent déjà, cette page. Donc j'invite ceux qui ne la connaissent pas à aller y faire un petit tour. Ça coûte rien. Et puis, si ça vous plaît, vous pourrez également vous abonner sur sa page Facebook, quoi. Ah, c'est pour toi, mec.
C'est cool, là on va voir le ressenti de ma passagère puisque c'est la première fois que j'emmène quelqu'un sur un trajet aussi long. Bon, c'est pas très très long, là on va se faire une balade de 1 heure, 1 heure et demie peut-être. Mais voilà, elle va me dire ce qu'elle pense de la selle notamment puisque je vous ai présenté cette selle en vous disant que c'était un atout pour la moto et on va voir si ça l'est aussi pour la passagère. BMW, toujours. Et je crois que c'est parce que les motos sont pas faciles à conduire, alors ils sont obligés de garder les deux mains sur le guidon. Je sens que je vais me faire pourrir là-dessus. Ça arrête 2 secondes. Un petit peu, ouais. Allez go.
Voilà. Voilà. Un petit peu de bruit en plus. Sinon, ton ressenti par rapport à la selle Moi je pourrais dormir. Si j'avais de quoi caler ma tête sur ton épaule, je pourrais dormir. Allez, nous voilà partis dans les bois, à l'aventure. Alors,